Spooky Radio. C'est bientôt l'heure des réunions de famille. Alors du coup, on s'est dit, enfin, c'est plutôt parce que confine tout. Il est tout seul, le père Jeannot. C'était le moment peut-être d'aller chercher des frangins qui tapent du pied. Bonjour Tsugi Radio, il est 9h30 et vous écoutez Confine-nous tout. Moi c'est Jean Fromageau, ou Jean tout court, voilà. Et on va passer 25 minutes ensemble car nous sommes lundi matin. La grisaille, alors bon, c'est vrai que le lundi matin, je commence souvent les émissions en parlant météo. C'est mon petit côté Evenil Delia. Donc voilà, ici c'est grisaille. En région parisienne, j'espère que ce n'est pas le cas partout en France et que vous appréciez votre quotidien. Voilà, que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêt ou prête à attaquer la semaine du bon pied. Pour commencer la semaine du bon pied, alors rien de mieux effectivement qu'un petit confinou tout, mais rien de mieux aussi que de le faire accompagner. Voilà. Donc, moi je le fais accompagner depuis un moment avec les copains de Groover qui sont sponsors de cette émission et qui m'aident à la réaliser. Et puis accompagner aussi, entre autres, par Twitch, évidemment. Voilà, ils sont là. Les Twitchers, les Twitchos, les Twitchissous. Je sais pas comment on les appelle, mais ils sont là. Donc Twitch, si vous voulez nous rejoindre sur Twitch avec de la vidéo, c'est aussi possible sur Facebook, mais en l'occurrence, Twitch, ça sera rigolo. Le lien, c'est toujours le même, twitch.tv/tsugiradio, tout attaché. Vous arrivez, vous prenez un café, vous faites comme chez vous, quoi. On est entre nous. Ce matin, on va s'arrêter sur The Chemical Brothers, qui est, on peut le dire comme ça peut-être, un monument, voilà. Un monument historique, un monument culturel, important de la scène anglaise, anglo-saxonne, si on peut le dire comme ça. Et ça a été assez compliqué. La sélecta de ce matin a été compliquée parce que, bon, il est quand même 9h30, on est lundi, ça doit s'entendre à ma voix, ça doit se voir. Le réveil n'a pas été non plus ultra facile, donc il fallait aller chercher de la mélodie, de la track gentille, quelque chose qui vous accompagne. Voilà. Donc là, c'est pas complètement ça, mais un peu en même temps quand même. The Chemical Brothers. Thank you.
Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs. Ça coupe un peu bizarrement, mais vous êtes de retour sur Tsugi Radio, on vient de s'écouter. Alors, je vous rappelle, si vous nous rejoignez sur Tsugi Radio Confinutu, il y a eu quelques petites coupures sur le player de Tsugi, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, bon, le direct a disparu, il est revenu après. Peut-être que ça va réarriver. Si vous êtes en podcast, ça ne vous concerne pas. Et si vous êtes sur Twitch, ça ne vous concerne pas non plus. Voilà, donc on est de retour sur Confinutu, tout va bien, le monde tourne encore, vraisemblablement. On vient de s'écouter Burst Generator de Chemical Brothers, c'est dont on va parler ce matin. Un petit peu, en tout cas, on va s'arrêter sur la carrière incroyable. Alors là, c'est extrait de leur, je sais plus exactement, quatrième album. Non, n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième album, We Are The Night, qui est sorti en 2007. Une période où je n'avais pas le bac, voilà. Ça me rappelle un peu le truc. Et c'est, ça fait partie des disques. Alors, c'est assez marrant. On va juste déjà faire une petite incise personnelle. Ça fait partie des disques que je me souviens avoir acheté en ayant conscience que j'achetais un truc de fou. Quand on est ado, voilà, qu'on a 17 ans, quoi, la découverte musicale est toujours intéressante. Je sais pas à quel moment vous vous positionnez là-dedans, mais il y a un truc un peu où on se dit « Ah tiens, ça c'est cool, ça c'est pas cool. » On sait pas trop, en fait, on est un peu dans le flou. On va considérer un chanteur comme Kali comme étant une rockstar, alors que 5 ans plus tard, on n'entendra plus jamais parler. Et en fait, on va faire attention à « Oui, bon, je suis pas sûr. Comment il s'appelle, là ? Massive Attack ? Ouais, je sais pas si ça va vraiment changer grand-chose. » Voilà. Donc en gros, on a du mal un peu à comprendre un peu toute l'envergure et l'importance que peut avoir un groupe dans un style de musique et dans une scène en particulier. Mais Chemical Brothers, je sais pas pourquoi, mais assez naturellement, je me suis dit, ça c'est incroyable. Et tout petit, mais en tout cas assez jeune, je me suis dit, ça c'est incroyable. Et quand j'étais acheté ce disque, donc je me serais très bien rentré dans un Virgin Megastore à l'époque, et acheté ce disque-là, et me dire, ah, bah ça c'est génial. Et donc voilà, je suis très content qu'on passe un morceau de ce disque, parce que je crois que c'est un des premiers que j'ai dû acheter. Et donc, en l'occurrence,
Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est qui c'est quoi, comme dirait notre ami Nico Pratt, The Chemical Brothers. Alors, c'est déjà un duo qui est composé de Tom et de Ed, Tom Rollins et Ed Simons, qui ont, à un moment donné, au début des années 90, c'est pas quand même tout jeune, étaient un petit peu les précurseurs, ou en tout cas ceux qui ont posé les bases d'un style, d'un genre hein, qui a fait vraiment particulièrement fureur chez les anglo-saxons, en tout cas en Angleterre en l'occurrence, qui s'appelle le Big Beat, qui est un mélange en fait, en gros, de techno, de hip-hop, et plus tard viendra de la drum and bass à l'intérieur, etc. Donc voilà, c'est une espèce de gros mélange, quoi, ouais, ça, de le petit shaker, le cocktail magique, et qui caractérise vraiment l'Angleterre avec cette scène-là. Donc on retrouve notamment Fatboy Slim, qui en fait pas mal aussi à un moment donné, et puis Prodigy. Peut-être un jour on parlera de Prodigy, mais c'est toujours compliqué Prodigy, parce qu'à 9h du mat, j'ai vraiment du mal à vous sélectionner des bons morceaux. Mais voilà, en l'occurrence, ça c'est un peu les trois, on va dire, chevaliers de l'apocalypse anglais, qui sont un peu représentatifs du Big Beats, et donc les Chemical Brothers en sont particulièrement les précurseurs, parce que même leur nom vient de ce style-là. Chez les Chemical Brothers, il y a au début, ils ne s'appelaient pas donc les Chemical, ils se sont rencontrés à l'école, à l'école, ouais, c'est ça, ils sont de la banlieue de Londres, ils font un peu l'école ensemble, ils font c'est pas de l'histoire de l'art, c'est de l'histoire médiévale, ouais. Ils cherchent à la fac, ils font des études d'histoire médiévale, anglaise en l'occurrence, donc bon, c'est vrai, quand on les voit sur scène, on se dit pas que ça a été le point de chute, hein, voilà. Et au début, leur premier nickname, enfin leur premier surnom, quoi, nom de scène, c'est The Dust Brothers, qui fait partie des projets musicaux. Alors, à ne pas confondre avec, du coup, il y a aussi un autre projet musical qui s'appelle The Dust Brothers Originel, un petit peu, qui est derrière la réalisation notamment de la bande originale de Fight Club. Si vous avez aimé la bande originale de Fight Club, tous les films de Fincher, de toute manière, il faut aller écouter les BO. Il y a souvent un travail assez minutieux dessus. Voilà, sachez que ce n'est pas un easter egg de Chemical Brothers qui ont dit ouais, on va faire un truc un peu caché. C'est un autre projet qui du coup s'appelait The Dust Brothers, et qui leur a dit à un moment donné, les gars, vous commencez à être un petit peu trop connus, c'est gentil, changez de nom s'il vous plaît. Et donc, très longue parenthèse pour dire pourquoi est-ce qu'ils changent de nom en Chemical Brothers, parce que dans leur production, à un moment donné, ils sont sur une scène, c'est souvent le cas, hein, dans les années 90, ils mettent un peu les mains dans les machines, et puis ils se rendent compte qu'ils sont peut-être à l'orée du bois de la musique électronique, et en l'occurrence, d'un certain style, et ils sortent un espèce de beats un petit peu significatifs, qu'ils appelleront le Chemical Beats, qui en l'occurrence est très utilisé ensuite dans le Big Beats, donc le style de musique dont je vous parlais, et c'est au moment où ils se sont dit, bon, on va peut-être changer de nom, comment est-ce qu'on pourrait s'appeler ? En fait, ils sont tellement marqués, c'est un peu comme, voilà, c'est un peu labellisé, le Chemical Beats, c'est Chemical Brothers, en gros. Et donc, ils ont dit, bah, on n'a qu'à s'appeler les Chemical Brothers, du coup, comme on a sorti un truc qui s'appelle le Chemical Beats, que tout le monde nous reconnaît, là-dessus, on va peut-être, voilà, donc, petit aparté, petite parenthèse sur le nom. Et donc, un parcours assez intéressant, parce que il n'y a jamais eu de push. C'est pas, ils sont pas arrivés, ils ont pas dit ouais, on va tout changer, pas du tout. Ça a toujours été assez graduel dans leur style de musique et dans leur notoriété en l'occurrence. Quelque chose d'assez, en fait, on en a vu beaucoup des matins, des projets qui ont évolué de manière assez saine et assez réfléchie. Là, c'est vraiment le projet de base, quoi. C'est des potos, ils se rencontrent, ils mixent un peu ensemble, ils ont un premier surnom un peu nul, ils font un son, le son The Song of Sirens, que je vous invite à aller écouter, qui est sur le premier album, que je n'ai pas mis ce matin parce qu'il est un peu trop péchu et un peu trop long, même si, voilà. Et ce son-là, par exemple, il marche pas, quoi. Enfin, ils vont voir les maisons de disques, les gens disent non, c'est de la merde. Donc ils disent, bon, bah, on va l'envoyer à des DJ. Ils l'envoient à feu Andrew Weaverall, qui lui pète un câble et dit, ok, bah, moi je vais jouer ça dans tous mes sets, en fait. Donc ils jouent
Typiquement, il y a un petit placement de produit que Michael Brother avec un morceau sur un des DJ les plus bankable du moment en Angleterre. Et puis petit à petit, voilà, ça se rencontre. Ils ont finalement des petites dates à droite à gauche. Ils jouent dans un petit pub qui n'est pas ultra connu, mais en même temps qui est un peu reconnu dans l'endroit où il est placé en Angleterre. Il y a pas mal de monde qui y passe, notamment Gallagher, Noël, qui vient, qui dit « J'aime bien ce que vous faites les gars, vous voulez pas qu'on fasse un feat ?» attendez, ouais, alors vous c'est Oasis, hein, c'est, ouais, j'avais du mal à... Ouais, pourquoi pas ? Donc ils font un feat, ça marche bien, et puis ils se retrouvent petit à petit à propulser à droite à gauche, et ça devient aujourd'hui la machine incroyable qu'on connaît, mais tout en douceur, tout en parcimonie, et il n'y a pas eu d'énorme explosion, sauf à un moment donné où vraiment ils ont eu pignon sur rue, et du coup là, leurs disques ont explosé, mais c'est ce qu'on appelle une évolution, une progression un peu méritée, et c'est assez... bénéfique, et c'est là qu'on se rend compte que la force du Royaume-Uni est quand même particulièrement dans son acceptation des musiques, des nouvelles musiques, c'est-à-dire que ils ont eu une popularité ascendante, et, enfin montante, mais doucement, enfin dans la douceur, quoi. Et la compréhension d'une scène complètement jeune par rapport à, je sais pas, on va dire des vieux anglais, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a une tolérance, une acceptation en mode « Ah bah tiens, bah, vous êtes nouveau, venez, on va vous mettre un peu sur les ondes, on va vous playlister, on va vous broadcaster ici, etc. sur BBC Radio 1. » Et donc en fait, là, il y a une énorme ouverture d'esprit musical en Angleterre. Ça a toujours été le cas, j'espère que ce sera encore beaucoup le cas. Peut-être qu'on devrait, alors je ne dis pas que les Français ne sont pas ouverts d'esprit, loin de là, mais peut-être qu'on devrait aller essayer justement, nous, d'être peut-être plus curieux sur les scènes émergentes et les styles émergents. C'est-à-dire que, allons écouter ce qu'écoutent les jeunes. C'est horrible de dire ça comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être sur une trop vieille antenne. Mais en l'occurrence, c'est toujours intéressant d'aller se projeter là-dedans et de se dire qu'est-ce qui émerge en ce moment tout de suite d'une scène jeune et qui a envie de tout prouver. Parce qu'on n'est pas à l'abri que dans 20 ans, ça soit les nouveaux Chemical Brothers. J'exagère un peu. Mais en l'occurrence, on n'est pas à l'abri de tomber sur des mecs qui sont capables de vous sortir un track comme ça. A Sleep From Days. Qui a peut-être changé la vie de beaucoup d'entre nous. I know just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. I saw it in your eyes. I think I left your backseat. And now it's always good.
Vous êtes de retour sur Tsugi Radio. On vient de s'écouter A Sleep From Day. Excusez-moi, j'ai dit From Days avant de lancer le morceau. Et oui, effectivement, avec la voix magique, on peut le dire comme ça, de Hope Sandoval, qui chante sur ce morceau incroyable, qui est sûrement un des plus beaux, réalisé par... Un des plus beaux qui pète pas. Et pendant que le morceau se diffusait et que vous étiez sur Twitch, parce que vous êtes sur Twitch, évidemment, hein, on le sait, ça, ça a envoyé un petit peu du commentaire et de l'anecdote. Effectivement, c'est un morceau qui a utilisé, en tout cas si vous avez regardé la télévision quand vous étiez jeune, en tout cas dans les années 2000, ouais, bon, voilà, moi j'étais jeune en l'occurrence à ce moment-là, 2009, je crois que c'est avant 2009, mais bon, ça a accompagné une publicité pour Air France pendant très longtemps, même plusieurs publicités pour Air France, voilà. Comme quoi, en fait, voilà, c'est ce que je vous disais, genre... On est en train de monter un style de musique complètement underground à l'époque. On est considéré un peu comme des punks de la musique électronique. Et on se retrouve à être la bande originale d'une compagnie aérienne les plus classes du monde, en vrai. Entre British Airways et Air France, enfin voilà, on est quand même sur un niveau, c'est pas Ryanair quoi. Enfin non, c'est pas du low cost, c'est pas du, on est donc c'est assez intéressant ce mélange là qu'on peut trouver parfois sur beaucoup de marques et de pubs de luxe qui vont aller chercher vraiment du hyper underground. Du coup, c'est un peu les Robin des Bois, peut-être que l'argent revient sur des projets qui méritent de faire un peu monter la mayonnaise. Voilà, on vient de s'écouter donc A Sleep From Days, qui, je vous invite évidemment à aller foncer, hein, sur cet album Surrender, qui est vraiment à mes oreilles, en tout cas, un des plus beaux albums, je pense qu'il est dans mon top 10 aussi, qu'on ait fait depuis très longtemps, et c'est surtout un des meilleurs de Chemical Brothers. J'ai hésité longtemps à vous passer un track de la bande originale de Anna, qui est donc aussi réalisé par Chemical Brothers. J'ai finalement fait demi-tour et j'ai plutôt mis Burst Generator, mais en l'occurrence, bon, on pourrait en mettre beaucoup. On est revenu, voilà, un petit peu, et puis on a que deux tracks, enfin on en a trois, la troisième arrive tout de suite. C'est aussi une découverte, une nouveauté que j'avais un peu oublié. Alors je suis navré pour le producteur qui s'appelle Mistom. Ouais, Mistom, avec deux T, M-I-S-2-T-H-O-M, qui m'avait envoyé un morceau qui s'appelle Barbe à Maman, donc comme une barbe à papa, mais pour la maman, et je l'avais mis dans mon... C'est horrible, hein, je devrais pas dire ça comme ça, mais voilà, sur Groover, je reçois des morceaux, il y a des gens à qui je dis oui, des gens à qui je dis non. Quand je dis oui, ça tombe dans une petite boîte où je dis « Hey, je te programme tel jour, voilà, ou tu passes en rotation sur la musique ». Et j'avais complètement zappé ce producteur. C'est con parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Donc ça, c'est une session live. Alors normalement, je suis censé pouvoir vous l'envoyer parce qu'elle est un petit peu longue. Non, ça va, elle est pas si longue. Mais voilà, donc une session live, vous allez voir, c'est plein d'influences aussi. Et je me suis dit que c'était parfait pour finir la matinée, entre guillemets, hein, avec Chemical Brothers. Il y a... voilà, vous voyez ? Il y a de la gratte. Il est tout seul derrière ses machines, etc. Les PC, voilà. Guitare. Un peu de voix, un peu de chant, ça part. Ça s'appelle Barbe à Maman et c'est tout de suite sur Tsugi Radio. On se retrouve après, évidemment, pour le programme de la journée. Like mind attacks my son.
We'll be right back.